Sí. Ça va bien depuis tout à l'heure? T'as déjà mangé un petit quelque chose ou pas encore? On va commencer cette fois, on le fait sans contrainte. L'idée c'est que je puisse l'avoir à peu près en tête pour le prochain For Job Fiesta. C'est pour ça que je commence le fil rouge par FF5. T'as mangé quoi? GG pour les trois fates, mais ils sont pas trop longs à pop ceux-là, j'ai l'impression. Donc oui, je profite de l'intro pour expliquer ce que je vais faire avec mes fils rouges. Je vais jouer à des jeux longs. Donc j'en ai plein de projets, c'est ça qui est cool. Limitarama et œuf de limpe. Miam 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 miam. J'ai juste mangé des pâtes. Et après, je me suis fait un déca parce que j'ai déjà bu trop de café. Donc, je reviens à mon truc. C'est que, en fait, je vais faire du fil rouge, je vais faire du jeu. L'idée, c'est des jeux longs que j'ai envie de finir. Bon, soit que j'ai déjà fait, soit pas encore. Soit que j'ai déjà fait, que je me souviens bien ou que je me souviens pas du tout. Mais que j'ai envie de, finir en fait en stream, tout bêtement. Donc, du coup. Ça prendra le temps qu'il faudra, il y aura sûrement des séances de farm. Parce que sur FF5, je me vois mal faire le truc sans farm, par exemple. En jeu auquel je pense à faire comme ça, il y aura aussi le premier Fallout, par exemple, qui me branche bien. Il y a pas mal de jeux comme ça qui me... que j'ai envie de faire. J'ai envie de streamer. Du coup, je vais en faire tout plein. En faire tout plein, mais ça va prendre tout plein de temps parce que comme c'est des jeux longs, sur plusieurs semaines, voire mois par jeu, je sais pas combien de temps je vais mettre sur FF5. Pareil, l'idée c'est aussi d'essayer de faire les jeux sans Solus. Alors ça me gêne pas que le chat spoil par contre, hein, ça je m'en fous, mais de faire le jeu sans Solus, de vraiment découvrir des jeux longs. Donc il y aura sûrement du Zelda, du Fallout, pas mal, sûrement une grosse partie des Final Fantasy auxquelles j'ai pas encore joué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à quoi j'ai pensé? J'en sais rien, mais plein de jeux comme ça. J'ai plein de jeux à faire sur lesquels je veux prendre mon temps, tout bêtement. Et vu que hors stream, je pense jamais à jouer à des jeux vidéo parce que j'ai pas le temps. Bah, je vais le faire en stream. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je ferme sur FF14. Voilà. Oh mon dieu, il est arrivé quelque chose de terrible. Il est terribiliquement arrivé quelque chose. Survie qu'il n'y ait pas de bug. Alors, la Super NES, mon PC a un peu plus de mal à l'émuler. Donc, j'espère que ça va pas trop poser de problème. Ça s'entend au niveau du son, c'est assez crade, je suis désolé. Puis voilà, l'idée c'est de s'amuser devant des jeux longs. Je pense que j'aurai personne ce soir pour me regarder à part toi. Merci d'être là. Donc là, ouais, ça me fait 2h30, 3h de stream selon l'énergie. Donc l'idée ça va être d'essayer d'avancer, déjà de sortir du tuto du jeu. Alors le truc qui est dommage c'est qu'on peut pas renommer les persos. Ça c'est con. Sinon j'aurais renommé Galuf Bowo pour le principe. Mais on va dire que Galuf s'appelle Bowo. On va considérer que Galuf s'appelle Bowo parce que... Les gens aiment bien. Si le seul truc que je veux savoir sur un jeu avant de le lancer, c'est est-ce qu'il y a un perso qui va mourir et est-ce que je peux le renommer Bowo? Parce que ça, je pense que je vais le faire en running gag à la con. Hey, coucou Willou, comment ça va? Beaucoup, tu attends là. Mais où? Si, tu attends là, tu fais pas chier. Alors à configurer, hein.
On va mettre en active, ça va être un peu plus rapide. L'idée c'est pas de faire du super play, donc bon. Rééquipe, optime, moi ça me va. Et le curseur en mémoire. Et puis on va mettre des couleurs marrantes. Non, c'est pas ça que je veux. Pas trop agressif les couleurs, hein, s'il vous plaît. Voilà. Couleur que j'aime bien. Ah, j'en conclus que tu es fouteux. J'en conclus que tu es fouteux et qu'il doit y avoir un match ou un truc comme ça. Tellement pas mon truc le foot. Si, le foot j'aime bien dans Olive et Tom. Non, c'est vrai, en plus j'aime bien dans Olive et Tom. On va commencer par affronter ces vilains gobelins. Pouillavèche de gobelins, ouais. J'aime bien Pouillave du gobelin. Bon, toujours ça va. Ouais, ça va. Je me suis juste pris un météore sur la gueule, hein. Merci de m'avoir aidé. Je m'appelle Lena, et toi? Select name. Alors, vous êtes deux sur le chat. Comment voulez-vous que j'appelle le personnage principal? Allez-y, nommez-le. Bah écoute, ça va. Un peu fatigué. J'aurais bien siesté un petit peu avant le stream, mais c'est pas grave. Kulz. Pulbs. On va mettre Kulz. D'accord, bah écoute, on va faire comme ça. Moi ça me va, je prends le choix de Sinaël parce que c'est le premier choix qui a été. Ah, quoique non, c'est quand même marrant, Pulbs. On va mettre ça. Allez, c'est marrant. Hop. Ça, c'est un nom à la con, hein. Je suis juste un voyageur, je me promène sur mon chocobo. Et j'ai un nom de merde. Hey, coucou l'Eténastar. Coucou l'Eténastar. J'y ai arrivé. J'ai du mal avec les pseudos, hein. Je dois prendre beaucoup d'applications pour réussir à les lire, des fois. Ou boobs. Désolé, c'est trop tard. J'ai vu tes messages juste après avoir validé. C'est un météore! Non, c'est juste un gros caillou qui a poussé. Il y a peut-être un lien avec le vent qui s'est arrêté. Ouais, le vent s'est arrêté, il y a un caillou qui est tombé. L'Étienne. Ok, moi ça me va, l'Étienne. Donc bienvenue l'Étienne, tu verras là, ici c'est sympa, les gens font des jeux de mots pourris et... Et voilà. Et donc je vais pas faire le truc que font plein de gens qui est de redoubler les textes parce que je suis très mauvaise à ça. Si, il y a un autre truc que j'aimerais faire sur mes streams fil rouge vu que c'est des jeux longs, très longs, très longs. Avec parfois du farming, des phases un peu momoles, etc. Je vais voir à partir de la semaine prochaine pour mettre en place un truc pour que les gens puissent venir parler. Oui, c'est totalement inspiré, je sais, mais... Non, je pense pas, c'est... Je pense pas que tu seras trop dépaysé.
Et donc, ouais, proposer aux gens de venir papoter sur mes streams longs. Parce que. Vu que ça va être long et que ça peut être un peu chiant, ça peut être bien de pas être seul pour animer, quoi. Surtout, j'imagine bien les moments où ça va être 2 heures de farming. Vous allez vous faire chier, moi je vais être là. Alors là, je farm. Puis là, je farm. Si on allait au temple du vent. Mon dieu, mais quelle idée de prout! Désolé. Ah, je suis contente quand même, il y a du monde qui vient. C'est... Je suis étonné, j'aurais jamais pensé qu'il y ait autant de monde qui vienne sur mes streams tout pourris. Et toi, tu viens? Non, non, j'en ai rien à foutre, j'ai aucune raison de vous suivre dans le temple du vent. Faut être clair. J'en suis un aventurier, mais je vous emmerde, je n'ai rien à foutre dans le temple du vent, je ne veux pas mourir, je ne suis même pas un aventurier, je vais me coucher. Ok, bah bon relançage de boxe. Là, c'est... Ça, en même temps, là, on peut dire que ce personnage a une réaction normale. Ouais, il y a un météore qui est tombé. Bon, t'es ça. On va au temple du vent, mais non, qu'il y a un météore qui nous est tombé sur la gueule. Alors, écoute, t'es sympa. Mais comment te dire ça? Non. T'es sympa, mais juste non. Juste, écoute, moi je voyage, je suis pas aventurier, ce que tu me dis ça m'a l'air quand même vachement dangereux, je vais pas y aller, je suis pas stupide. C'est une réaction normale et saine. Mais pourquoi tu t'arrêtes, Boko? Ne me regarde pas comme ça. Bon, bah... à mon avis, le Chocobo, il doit avoir un air du style « Pas content !» J'ai pas de peluches qui ont l'air pas contentes, donc on va faire avec le foreur. Oui, je vais faire de l'animation marionnettiste avec des peluches. Aussi. J'annonce, hein. C'est... J'aime bien l'animation marionnettiste avec les peluches. Et là, il y a des gobelins, c'est dangereux, tout ça, faut aller les aider. T'es un chocobo, tu parles pas. Je veux pas prendre de risques. Merde, il y a des trous dans le sol. Ils sont pas loin. Bon, ok, tu cours plus vite, on y va. Ah! Banzai! Et c'est quoi cette connerie? Il y a des trous, il y a une embuscade! Ah, connerie! Haha, le chocobo il s'est sauté! Nananère! Oh, encore des gobelins? Si vous pouvez y avoir du gobelin. J'aime quand la TB est sympa. J'aime. Vive la TB sympa. Eh, je veux pas dire, mais il a un putain d'estomac chocobo. Il avale les gens. Par contre, je veux pas savoir comment il les fait ressortir après. Tu vois, c'est... Chocobo, il a... Moi, j'ai pas la capacité d'avaler comme le chocobo, hein. Il avale les gens, par contre, quand il les fait ressortir, je veux pas savoir par où. Je ne veux pas savoir. Voilà. On anime comme on peut. Hein. Alors, je vous rassure, sur les jeux où on pourra couper le son, il y aura de l'auto-DJ. Mais c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas un jeu où je peux couper de la musique. Eh, merci. Tu m'as encore sauvé. Bah écoute, a priori tu es là pour servir de princesse en danger, donc oui. Alors je pense que je n'étonnerai personne en disant que mon personnage préféré dans ce jeu, bah on l'a pas encore. N'empêche que Galuf, tu vois, je le vois bien en vieux papy pervers qui fait semblant d'être mort. Qui s'arrange pour que les gens soient ouf, quoi. Ouais, Faris, voilà. C'est, on dirait, je pense que j'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre sur Faris. Ha ha ha, jeu de mots. Alors attends, je vais faire un truc. Avant, un truc à faire.
Voilà, ce sera plus propre. On doit essayer de sauver le temple du vent. Bon, bah. D'accord. Écoute, pourquoi pas. Re-Willou, tu as manqué des jeux de mots très pourris. Mais très très très, hein. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, papoter de trucs de n'importe quoi. En plus, FF5, c'est un jeu sur lequel je peux lire le chat. Cette fois, il n'y aura pas des combats contre des boss qui vont durer 2h30. Ce que j'avais eu en Fort Job Fiesta. Hein. Alors, je vais au maximum essayer de le faire légit. Safaris, ouais. Safaris, oh putain! Ah, c'est en le disant que j'ai percuté le jeu de mots joli. Ah merde, Safaris joli. Enfin, rien à dire, quoi. Faut le dire, en fait, pour s'en rendre compte, mais il est génial, ton jeu de mots. Oh merde. Alors moi je suis gentil, je mords pas. Hein. Enfin, je mords qu'avec le consentement. Et que certaines personnes. Et qu'à certains endroits. Je m'étale un peu trop. Faut que j'arrête de m'étaler comme la confiture. Ouais, tout le monde a level up! On est content! Don't you know level up? You want to level up? Désolé. Je garantis pas de garder cette énergie tout le long du stream ni tout le long du jeu. Hein. Je vais faire ce que je peux, là ça va, je suis un petit peu dans un état d'exaltation. Faut en profiter. Tiens, ça passe encore devant. Hop là, c'est bon. Déplacer vers le haut. Et voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Là tout il est bon, tout il est normal. Tout il sent le maroil. Non, je vais arrêter de faire des jeux de mots parce que je sens qu'ils sont vraiment très mauvais en fait. Mais vraiment très beaucoup quoi. Ah, il y en a un qui est à poil, en fait. Il y en a un qui a zéro arme. Est-ce que j'ai du stuff qui traîne? Non. Bon, bah, on s'en fout, hein. Tortelle. Ouais, ça parle de gens à poil. Ça parle tout le temps de gens à poil. Comment ça va, Tortelle? Bah écoute, comme tu peux l'entendre, un petit peu pour moi, ça va. C'est un peu... J'ai un petit peu la patate. On va en profiter, hein. Tant que j'ai la patate, on va en profiter. Puis de toute façon, ouais, je redirai plus calmement en fin de stream ce que j'ai dit en début sur mes intentions sur ces streams fil rouge. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le planning de la semaine prochaine est déjà prêt. Un petit peu en bas, vous avez les liens. Vous voulez me dire ce que vous en pensez? Oh, une armure. Ne perdons pas de temps, équipons-nous. Toujours se stuffer, toujours. Coucou Mister Seiko, comment ça va? Tu viens assister à mes jeux de mots pourris?
Ok, bah écoute, gros bisous Tortel et essaye de bien... essaye de bien dormir, j'aime pas quand c'est... Ah d'accord, oui. Hey, coucou Spifounette! Hey, t'as le droit de me faire ta blague de ce matin une dernière fois. Une dernière fois et après t'en trouves une autre. Je t'autorise Tu la prépares, moi je prépare une réponse. J'ai pas d'idée de réponse. Prépare ta blague une dernière fois. Et ouais, je referai le jeu de mots pourris qui va avec. Je répondrai à un truc. Tu grattes le wifi de la voisine. Oh putain, la merde. Oh merde. Oh, un jeu RPG Maker. Ah bah non, c'était pas cette blague que j'attendais. Bah ouais, c'est un jeu RPG Maker. Ça se voit, non? Ça ressemble tous à ça, les jeux RPG Maker. Putain, j'ai une armée de jeux RPG Maker à faire, c'est vrai. J'ai une armée de jeux à faire, hein. Vous avez pas fini de me voir streamer. Alors, il n'y a rien par là. Oh, un pirate. Est-ce qu'on peut dire que ceci est une baie? Est-ce qu'on peut dire qu'on est à The Pirate Bay? Je creuse. Promis, je creuse. Voilà. Bah, écoute, moi je suis pas d'accord, Willou, hein. Mister Seiko peut gratter ce qu'il veut chez la voisine tant qu'elle est d'accord. L'important, c'est le consentement. Le consentement, c'est ce qui compte. En plus, la voisine est plutôt jolie, vas-y. Bah, écoute, tant que tu as son consentement, fais-toi plaisir. Donc, j'ai ouvert un truc. Il a l'air cool mon programme. Bah écoute, ça tombe bien, hein. Je vais essayer que de... En fait, ça fait un bout de temps que j'ai envie de streamer comme ça, vraiment, à la Beurin. J'ai envie de streamer beaucoup comme ça, de façon assez intensive. Bah s'il y a une Madame Seiko, faut qu'elle soit d'accord aussi. Voilà, c'est le consentement de toutes les personnes concernées. Il n'y a que les consentes de toute façon. Donc, comme tu vois... comme tu peux le voir... Attends, parce que j'ai une mémoire de merde, donc je remonte. Comme tu peux le voir, Léthen, les jeux de mots sont au rendez-vous et ils sont pourris. Voilà, c'est... Attends. Oui, là, des fois, faut que je remonte... Comme tu parles pas beaucoup, faut que je remonte. Ok, bah écoute, joue bien avec ta chérie, à défaut de jouer avec nous. Je suis la princesse, Léla. Non, tu t'es trompé de film. Si, je suis la princesse, Léla. Non, tu t'es trompé de fil. Bon, d'accord, Selena. Mais tu t'es... Ouais, bon, là, ça va, tu t'es plus trompé de fil. Je vous en supplie, emmenez-nous loin. Toi qui as les cheveux violets, tu dois me comprendre, j'ai les cheveux roses. Pourtant, il y a des vaisseaux spatiaux. Alors, Mister Seiko, pour ta gouverne, hein, je tiens à te le dire, pour ta gouverne, j'ai une chérie, je vis avec. Si j'ai trouvé une chérie et que je vis avec, toi aussi, ça pourra t'arriver. Voilà, comme elle dit notre princesse magique à nous, ne jamais dire jamais. Et on ne contredit pas une princesse.
Moi, je tiens quand même à signaler que j'ai dragué avec une tarte aux poireaux, hein, et en faisant une imitation de chat. Voilà, c'est... Je m'arrêterai là, hein. C'est quand même plus sympa quand il y a de la musique. Ouais, finalement j'ai changé d'avis, on va avec eux. Bon, d'accord. Ça peut aussi arriver. Voilà, c'est le jour où tu trouves, tu sais que t'as trouvé de toute façon. Parce que moi, ma chérie, enfin, j'arrête pas de lui dire, mais je donnerai ma vie pour elle. J'ai envie de t'aider, on va au temple du vent. J'ai envie de péter, on va au temple du vent. Allô? En route pour le temple du vent. Moi c'est beau, je suis Mimi. Oui, c'est choupi. Oh mon dieu! Un autre bourreau! Je suis désolé. J'ai pas eu le temps de faire un hack de la Rome pour renommer Galuf bourreau. Donc on va quand même dire que Galuf s'appelle bourreau. Hein. J'ai le contrôle? Ah ouais, j'ai le contrôle et tout! Bah écoute, si tu... Non, je peux garder le contrôle. Ouais, je peux garder le contrôle. Ça veut dire qu'on peut aller farmer avant. Alors déjà, on va save. En cas de plantage du PC ou de victoire de la droite. Alors, on va aller farmer, hein. Ah oui, c'est vrai. Monster in a box. Pas pour longtemps. Appu. Voilà. En fait, j'aime bien passer tuto, tout ça, tout ça. J'aime bien faire ces conneries avant le reste. Merci d'être viendu. Au revoir.
Bon, de toute façon, j'y retournerai après. Alors... Oh, t'es choupi, ça parle de tuer des gens et de pas témoigner. Vous êtes choupi quand vous faites ça. Donc on va au temple du vent. En route pour le temple du vent. Ouais, youpi, banzai, troulala. Alors le téléphone, je te rappelle que tu es censé fermer ta gueule quand je stream automatiquement, mais bon. A priori, tu t'es mis en mode fermage de gueule quand je stream automatiquement, mais tu ne l'as pas fait. Écoute, Tortal, comme tu veux, fais-toi plaisir. Peut-être que tu t'endormiras devant mon stream qui va être très chiant parce que c'est un RPG. D'une fille pas très majeure. Écoute, c'est pas mon doigt préféré non plus. Alors, là, il y a du restore. Hein. Toujours prendre le restore. Mais il y a du cookie, du wifi. Que demande le peuple? Ouais, en effet, il faudrait que je corrige ce script. Que là c'est fâcheusement relou. Oh mon dieu, j'ai ramassé une tente. Et dormir c'est mainstream. C'est pas toi qui m'avais dit un jour que j'étais mainstream aussi? Oh mon dieu, j'ai un perso qui a level up. Tu aimes les streams de RPG. Bah écoute, tu vas apprendre à ne pas les aimer. Non, je déconne, tu vas quand même faire ce que je peux. Tu peux utiliser une tente ou un cottage. Non, je peux surtout save, merci. Non, c'est des tortelles, voilà. C'est comme vous êtes souvent à me faire des blagues en duo, des fois je mélange un peu. C'est à ça qu'on voit que vous vous entendez bien. Mais mettez-vous ensemble. Non, bah c'est pas là que je voulais aller. Ah, c'était totalement mainstream avec Eltan. Ah, mais moi je me suis éclaté sur ce stream. Puis en plus, je continue à jouer à ce jeu. Hein. Ah oui, j'y pense. Il y a un truc que je veux faire qui est important. Voilà. Ça, c'est important. Ah, carrément. Carrément, 9 personnes, c'est trop mainstream. Regarde, là, j'ai que 6 personnes, je crois. En fait, j'ai pas le nombre de viewers. Je n'ai pas mon nombre de viewers, j'ai le nombre de personnes sur le chat. J'ai que 6 personnes sur le chat. Donc en comptant Nightbot et moi, ça fait 4 personnes sur le stream. C'est magique, hein. Ouais, Nightbot il compte, hein. Attends, mais sans Nightbot, j'aurais jamais personne sur mon stream. Vous venez là pour Nightbot, pour faire les conneries qui sont possibles avec Nightbot. Avouez. Oui, bah oui, vous allez beaucoup. Attends, sérieux, j'aurais arrêté de streamer depuis longtemps si vous étiez pas là.
Nightbot est un connard. Il n'y a rien ici, c'est un cul-de-sac. Mais bien sûr! Comme je le dis, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de streamer si vous veniez pas et que je serais retourné à déprimer de mon côté, quoi. Ah bah moi aussi, attends, tu crois que c'était quoi mes premiers streams? Mes premiers streams, je faisais du speedrun de Cthulhu Save the World toute seule! Hop, un save state. Je préfère faire des save states. Ah non, mais attends, les premières fois où vous veniez, je percutais pas tout de suite qu'il y avait quelqu'un, hein! Non, puis j'aime bien. Moi, je tiens à mes viewers qui viennent me voir. Hein. Je tiens aux gens qui viennent me voir parce que, c'est magique pour moi qu'il y ait des gens qui viennent me voir faire des conneries sur un PC. C'est vraiment ça. C'est, je fais des conneries sur des jeux vidéo et vous venez me voir et vous me dites que vous appréciez. C'est énorme pour moi. Puis c'est vrai qu'à la base, j'ai aussi commencé à streamer pour travailler sur mon rapport à mon image de moi-même. Non, 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 tu fais pas ça, connard! Mais j'ai évité de pas faire ça, connard! Bah oui, je vais la garder parce qu'elle a la broadsword. Ah voilà, la broadsword. Bon, je crois qu'il n'y a plus de combat. Ah merde, si, il y en a encore. Eh, mais sa mère, ça s'est mal passé là. Attendez, je vais me barrer, je vais aller faire un régen. Je vais aller régen, ça me semble bien. Ouais, moi aussi, il faut que je refasse tous mes overlays et tout. Ah ouais, non, mais là, c'est... C'est l'infini apocalypse sidéral. Putain, mais ils sont violents, les mobs. Non, il n'y a pas suffisamment de lettres. Mais oui, il y a toujours une princesse sur mon stream, voyons. C'est pour ça que vous venez avouer. Vous venez pour la princesse. Je sens que je vais mourir. Voilà, on va se barrer. Ouais, ce fut du ça s'est mal passé. Attends, j'ai du régène gratos en dessous. Faut pas emmerder non plus. Non, sérieux, du régène gratos, j'ai pas payé. Toi, tu viens pour Nightbot. Écoute, chacun sa team, hein. Chacun sa team. Team Nightbot, team princesse. Je ne vous dirai pas pour quel team je suis, et puis c'est tout. Moi, je viens pour tout le monde. Ouais, attends, le con, il a plein d'abonnés et il stream pas. Ah merde, c'était pas de bon côté.
Je suis une bite en orientation. Alors le truc, c'est quand même très désavantageux d'avoir quelqu'un qui meurt dans un combat contre un boss. Hein. Et pour la team des gens cool, donc déjà t'es pas dans ma team, c'est sympa. Moi je suis dans la team des gens que j'aime bien. Ça tombe bien, il y en a beaucoup. Tu viens de follow Nightbot. Ce stream du troll. Les gens comptent sont pour toi les gens que t'aimes bien. Mais, écoute. Et du coup, tout le monde ce soir va follow Nightbot. Oh mon dieu, mais on a gagné une personne sur le stream. Bonjour à toi, personne qui vient d'arriver sur le chat. Installe-toi, n'hésite pas à participer au chat, à faire des jeux de mots pourris et tout. On est là pour ça. Ça me fait toujours bizarre d'avoir des gens qui me disent qu'ils m'aiment bien. Oh, j'ai un staff. Bon, tout le monde est stuff. Je vois pas trop l'intérêt de filer un staff. Un de mes persos. Le staff, ça tape de l'arrière, mais pour l'instant... Je vois pas trop l'intérêt. On n'est pas encore au moment où on fait de la stratégie. Il se passe quelque chose. Attendez, je crois que je vais avoir besoin de ceci. Je mets un ceci de côté parce que je pense que j'en aurai besoin. Ah non, c'était. Je me disais bien que ça ne m'était pas destiné le je t'aime bien. Ça pouvait pas m'être destiné. Oh, elle est géniale cette emote! Elle est géniale cette emote! Mon dieu, il se passe des choses. Il se passe des choses bien étranges dans ce temple. Ah si, c'était pour moi. Bah ça me fait toujours bizarre. Y'a pas à chier, c'est pas... Pas quelque chose de normal pour moi. Ouais mais du coup t'as vexé Willou, tu vois. Tu viens d'avoir une révélation. Léna. Léna. Je suis Maître Yoda, ton père. Ah non, t'es pas tout vert. Je suis Maître Yoda, ton père. Ouais, c'est vrai que ce serait pété. Non, les lampes à lave, c'est sympa, mais c'est un peu chiant. Donc voilà, quand ce personnage-là va apparaître, je vais vous montrer Maître Yoda. Dis bonjour, Maître Yoda. À moi, à moi, à moi, à moi. Voilà, Maître Yoda. Voilà. Ce stream est featuring Yoda, mesdames et messieurs. Yoda a fait son apparition dans ce stream. Avouez quand même que c'est la classe. C'est quand même vachement classe.
Elle fait peur à la peluche rose pifounette. Elle fait pas peur, c'est Maître Yoda. Maître Yoda, il fait pas peur, il est gentil. Mon Dieu, c'est l'heure de s'enfiler des cristaux dans le... J'ai rien dit. Non, franchement, pour que les cristaux, ils filent les pouvoirs, ils se les enfilent dans l'anus. Voilà, c'était la blague pourrie. Ceci est un cristal suppositoire, c'est un suppôt cristal. Après le suppôt de Satan, le suppôt de cristal. Voilà, c'était très nul, je sais. Mais j'avais envie. Des fois, il faut. Je crois que ça, il faut pas. Mais je l'ai fait quand même. Alors. Donc, on a des jobs. Donc. Je vais vous donner les jobs. Et vous allez me composer mon équipe. On va faire ça, ça va être marrant. À chaque cristal slash début de stream, vous allez me composer mon équipe. Alors, on a le droit au chevalier, au moine, au voleur, au white wizard, au black wizard, au blue wizard. Et puis, Toto, là, on va pas le prendre. On va pas prendre le qui met n'importe quoi. Non, non, on commençait par choisir pour Faris. Donc, attendez, je vais faire un truc. Je vais aller faire un truc, je vais voir les commandes de Nightbot. Alors désolé, parce que là je suis pas en focus sur la fenêtre. Donc Blue Wizard, j'ai deux Blue Wizard, un White Mage. Écoutez, on a du temps, je peux faire des conneries. C'est comme chevalier, mais c'est mieux, tu peux casser le jeu. Donc attendez, on va faire les trucs comme ça. Pôle commande. Donc, on a dit... Alors, on va faire ça bien. Ah, attends, faut que je remette là pour revoir les classes. Ah, il y a Monk. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Nightbot, tu me réponds? Ah oui. Non, il veut pas me répondre parce que c'est comme ça. Voilà, allez-y, votez. Lancez les votes. Enfin là on va le faire. Lancez les votes, ce sera pour le deuxième perso. Parce que là j'ai Blue Mage. Ok, bah écoute, on va faire ça. Donc, Faris.
Alors maintenant on va passer à Léna. Alors attendez, je dois relancer un pôle. Voilà, maintenant. Maintenant vous pouvez voter. Allez-y. Pour Léna. Allez-y, faites-vous plaisir. J'en sais rien. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Alors, quels sont les résultats? Le résultat, c'est que je sais pas écrire. Monk, c'est cool. Écoutez, ça fait Monk. Pour Galuf, attendez, je relance le pôle. Allez-y pour Galuf. On va regarder. Donc, voleur. Et maintenant pour Pulps. Allez-y pour le dernier perso. Soyez pas vache, s'il vous plaît. Oh, merci HV. Je sais pas si tu es si tu es là, mais merci pour l'hosting. Donc, alors, si vous me regardez sur... Ah ouais, totalement. Si vous me regardez sur le stream de HVKoi, je vous invite quand même à faire un tour sur mon chat pour voter. Pour voter pour la composition de la team. Et oui,
Parce que j'ai décidé de faire de la merde et de composer moi-même ma team. Coucou HV, merci pour l'host. Alors vas-y, hein, y a un poll en cours pour la composition de la team. Donc du coup, je vais quand même attendre ton vote pour le dernier perso. Donc je t'invite à voter. Vote 5 comme Sinaël. Bon. On va regarder les résultats. Vu le nombre de viewers, ça fait tout le monde en fait. le nombre de personnes qui a sur. Donc. Enfin, sauf. Sauf les Ten. Sauf les Ten, voilà, j'y ai arrivé. Donc. Merci pour cette magnifique égalité. Merci pour votre égalité. Donc, la princesse ayant priorité sur les autres, sur vous autres, simples viewers. Là, je considère que la voix d'Oriane compte double en cas d'égalité. Voilà. Parce que je suis pas quelqu'un d'égalitaire, de toute façon. Et parce qu'il faut bien partager. Il faut bien départager à un moment. Donc, c'est fermé, ça va faire Black Wiz. Tu changes ton... tu changes ton vote en White Mage, d'accord. D'accord, d'accord. Donc White Mage. Donc là, du coup, c'est clair, c'est White Mage. Voilà. J'ai ma team. Merci d'avoir voté. Je sais pas ce que ça va donner. Mais maintenant, je peux courir. Nananer. Je peux courir, tralalalalère. Il est swag dans sa robe blanche. Totalement. Alors... non, c'est bon. Faut pas chier à m'apprendre le jeu. On va avancer un peu. C'est une bonne team. Alors, juste comme ça, hein, je rappelle que à chaque nouveau cristal ou à chaque relancement du stream, la team sera réinitialisée par vos soins. C'est ça qui est drôle. Bon. Je pense que je vais farmer un petit peu pour avoir des sous. Bonne nuit, Tortel. Repose-toi bien. Donc le White Mage, ça fait quoi, au fait? Le Blue Mage. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas ce qu'il fait, le Blue Mage. Attends, je vais vérifier. D'accord, il attaque, il apprend les trucs des... Il apprend les trucs des mobs. Encore faut-il que des mobs l'attaquent. Alors je vais farmer un peu histoire de me stuff. Je pense que ça pourra servir. Je pense que le seul truc pour ça, c'est qu'il faut que les mobs fassent des techniques sur moi.
j'ai rien pour les manipuler, ça va être pratique. Ouais, ça va, c'est quand même une team sympa à utiliser. Hein. Les combats, ça se passe. Bonne nuit, Tortel! J'en suis où niveau sous-sous? Allez, je monte à 2000 et puis je vais acheter. Je monte à 2000 et je vais faire des emplettes. Putain, hé, le jeu, il veut que je refasse un combat, là. C'est pas possible autrement, le jeu, il reveut un combat. Un jour, je te chanterai Aizen Mi. Oh, mais vous êtes mignon quand vous faites ça. Moi, je vais éviter de chanter, sinon il va pleuvoir dans la maison. Oh, j'ai drop du stuff. C'est pas méchant d'être mignon, c'est bien d'être mignon. T'es pas mignon, c'est Tortal. Oh, c'est choupi! Oh! J'ai eu du level up! Je me barre! On va commencer par le stuff. Eh, hey, je suis là pour le stuff. Donc j'en ai qu'un qui peut équiper. Bon bah c'est réglé pour le stuff, hein. Stuff, deuxième partie. Là, je crois que c'est équipé. Ah, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Salut, je me barre. Il y a des gens comme ça, ils sont vraiment sans gêne. On va acheter la magie. S'il y a un autre moment où je redemanderai un poll, où je redemanderai les votes, c'est en cas des game over, parce que comme ça, si vous me faites une team où je peux rien faire, on s'en fout. Oh, on s'en fout, j'y suis déjà allé. Alors, je peux pas y aller maintenant. Pareil, s'il pionce, il n'y a rien à ramasser.
Ouais, je vais prendre le mec de Popo. Autant les tentes, je me dis ça peut aller, autant les popos, maxer les popos. Grande spécialité made in poulpe. Oh, une queue de phénix, ça c'est important. Et ça a un prix tellement débile. Ah, c'est la maison de Zoc. C'est qui Zoc? C'est sa maison. C'est qui Zoc? C'est sa maison. Merci. Oui, des fois je bloque comme ça. Alors princesse, j'approuve totalement ton dernier tweet. Enfin, j'approuve totalement. Oui et non. Oui, oui. Et t'es pas obligé, mais oui. Non, Ninel, ce soir, en fait, il y a un resto entre les personnes sur l'île qui font le nano. Donc Nina, elle est à son rendez-vous entre nanoteurs. Vu que le mois prochain, c'est le nano, donc elle va écrire à fond sans jamais s'arrêter. Et donc, là, c'est pour la première fois, en fait, elle va voir les autres personnes dans le coin qui font le nano pour pouvoir papoter avec eux. Et c'est pour ça qu'elle est pas là. C'était pas prévu, j'ai appris hier qu'il y avait le rendez-vous entre nanoteurs et je lui ai dit non mais vas-y. Tu vois jamais les gens, tout ça. Va faire le nano. Va voir les gens qui font le nano. Non, c'est pas le nano de Sauron. Il est beaucoup plus petit en fait. C'est un petit nano. Le truc c'est d'écrire, je crois, 50 000 mots pendant le mois de novembre. C'est une sorte de concours où il n'y a rien à gagner, où le but c'est d'écrire 50 000 mots. Donc en fait, le mois prochain, Nina elle va écrire un roman. Elle va préparer un roman, elle va faire un premier jet de son roman pour écrire ses 50 000 mots. Il y a quelque chose qui va pas? C'est toi, t'étais pas en train de violer la nana en rose? Non, non, désolé. Putain, je suis vraiment désolé. C'est même pas drôle en plus comme blague. Je suis vraiment désolé. Mais en même temps, un mec chelou que tu connais pas qui va dans la chambre d'une nana devant son lit comme ça en pleine nuit, c'est creepy. C'est très creepy. J'ai toujours trouvé ce truc creepy avec le mec en vert qui regarde la nana dormir. Je trouve ça creepy quand même. Mais pour ça que vous aimez bien ça, parce que c'est quand même creepy comme situation. Mais je m'excuse de cette mauvaise blague que je n'aurais pas dû faire. Putain, non, c'est sérieux, j'aurais jamais dû faire cette blague. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette blague? Qu'est-ce qui va pas dans mon cerveau? Alors, de mémoire, je dois aller voir Titine. Ça te faisait penser à Aladdin. Oui, alors ça aussi c'est creepy. ça aussi c'est creepy. Mais à ce moment-là, il croit encore que c'est un mec. Mais la réaction là, elle est pas mieux, hein. C'est, je sais pas, ces deux personnages ne semblent avoir aucune capacité de self-control. Mais vraiment aucune. C'est voilà, vous avez découvert le super pouvoir des boobs. Le super pouvoir des boobs. Le voilà.
Bon, je crois que j'ai acheté tout ce que j'avais à acheter, plus ou moins. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de rejet du style. Bah, en même temps, c'est des boobs, tu fais pas bah devant des boobs. Je suis désolé. Mais j'adore ce perso. J'adore Faris. Ce perso qui au début cache sa féminité parce qu'on lui a dit que pour être capitaine pirate fallait être un homme, donc du coup cache tes boobs. C'est un peu sexiste, mais voilà. Mais voilà, c'est. Enfin, j'adore ce perso. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'évolution du coup du perso avec les sprites. Mais c'est à dire que. Oui, alors, je suis d'accord avec Yizong. Mais tes yeux, quoi. Voilà. Je dirais juste ça. Alors. Encore une fois, je suis vraiment désolé de cette blague pourrie qui m'a échappé. La situation me fait penser à ça, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Donc là, on va découvrir des choses au niveau du prochain donjon. Donc on va y aller, on va se faire ce donjon. Je pense que ça va nous emmener déjà assez loin dans la nuit, mine de rien, de faire ce donjon. On a eu un peu de farming. Attendez, si, je vais faire un autre truc, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Voilà, en fait, alors l'idée sur ce pôle, je vous le dis tout de suite, voilà, c'est en fait à partir du moment où vous avez envie que je change d'équipe, vous votez change, vous votez change, vous votez change, et à partir du moment où change aura... Bon bah là vous êtes, je vois 5 personnes sur le chat, on en a un F2. À partir du moment où tout le monde aura voté change pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde, on refera un vote pour changer les classes des persos. Voilà. Et on va faire ça, comme ça vous pourrez rechanger les classes de mes persos n'importe quand, pour m'emmerder ou pour vous amuser. Non mais princesse, tu pourras plus voter garde. Enfin, tu pourras plus voter change, simplement faut que je mette 2 options. Ça c'est quand même violent. C'est quand même ultra violent comme truc. J'aime le monk, moi je suis ravi que vous m'ayez mis monk, c'est un des trucs que j'adore jouer, le monk.
C'est pas con, Widou. C'est pas con. Je le ferai pour la prochaine fois. Mais de toute façon, je veux pas que vous me changiez mon équipe tout de suite. C'est juste que vous avez le droit de le faire parce que c'est un stream interactif. Voilà, c'est ça l'idée. L'interactivité, l'échange. J'ai oublié d'équiper le stuff que j'ai acheté. Bon, je vais mettre un poulpe sur ma tête pour ça parce que j'ai oublié d'équiper le stuff que j'ai acheté. J'ai acheté du stuff, j'ai oublié de l'équiper. Poulpe sur la tête. Ça me semble normal. Alors, c'est un boss, donc je vais commencer par essayer de le... Tu peux pas voler. D'accord, bon, ça sert à rien au moins, c'est réglé. J'ai que 36, c'est pas GG. On retente un coup pour voir. Ah, t'as volé une potion. C'est génial! Bon, ça peut servir une potion quand même. J'ai l'impression que je fais plus de dégâts comme ça. Twitch Player PG, voilà, totalement, tu as tout compris. Putain, il est chiant ce boss. Vous avez fini FF6 à l'époque. Bah c'est passé. Heureusement, je dirais, hein. Heureusement, c'est passé. Hey, coucou Indiven. Comment ça va? Alors, il y a un poll en cours pour savoir si tu veux que je change d'équipe. Donc si tu votes pour... Si tu fais un vote 1, je changerai d'équipe. Enfin, ça montrera le nombre de votes pour que je puisse changer d'équipe. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. C'est le stream de la soirée avec du Final Fantasy V. Et le tout début de Final Fantasy V, ça va nous emmener loin cette affaire. Je vais pas le finir en un coup. C'est prévu pour plus tard avec FF7 où je vais y jouer en un coup sans les strats du speedrun parce qu'il faut pas déconner, je les ai pas. Et que ce sera pas le but. Mais ce n'est pas encore le moment. Non, l'idée c'est que tu votes si t'as envie que je change. Moi je m'en fous. Moi, je joue, c'est de l'interactivité, en fait. C'est l'idée, c'est d'être interactif, c'est que... je vote... Enfin, moi, je vote pas que... Par exemple, l'équipe que j'ai a été composée par les viewers qui ont voté pour la composition actuelle de mon équipe. Et donc, il y aura un vote automatique au prochain cristal, et vous pouvez déclencher un vote si suffisamment de monde vote pour changer de team. S'il y a suffisamment de monde qui demande à changer d'équipe, il y aura un changement d'équipe. Voilà, c'est... C'est ça la blague. C'est ça qui est drôle. C'est que je ne contrôle pas ce stream. Ce stream est hors de contrôle. Par contre, j'avais pensé à me stuffer cette fois. Il n'y a pas de problème, je me suis mal expliqué. Il n'y a rien ici. Oh, un combat.
Et que ça attaque tout le monde. Faut bien que les magies servent. Eh hey, mais ça a raison. Ah oui, je préfère. J'avais cru que ça s'était affiché en vert en fait. Je suis un peu con des fois. Ce stream n'a pas de limite, n'a de limite que votre imagination et ma fatigue. Oh, j'ai ramassé une dagger. J'ai déjà une dagger. Je pensais que c'était un nouveau stuff qui était mieux, mais non. Ce n'était même pas un nouveau stuff qu'il était mieux. Je peux ramasser la carte? Non, je peux pas. Non, je peux aller par là. Garque de l'eau. Ah, quelque chose me dit que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc je vais aller voir de l'autre côté. Ça va quand même vachement vite les voleurs. Bon, Faris, j'aimerais que tu apprennes un truc utile, s'il te plaît. Putain, les monks, tellement c'est craqué, quoi. C'est tellement pété, les monks. C'est tellement pété à l'infini plus 3. Ouais, j'ai ramassé une tente! Ah, moi, je suis contente de ce que tu viens de tweeter, princesse. Alors, il est temps de heal. Et voilà, le combat est fini! Et tout le monde level up. C'est par où la sortie? Mais ça ira mieux si je fais ça en fait. Ah ouais, ça contre-attaque quand même. Je vais pas perdre des MP bêtement non plus. Je vais m'amuse avec. Ah, c'est là. Et n'empêche, ils ont une de ces apnées, les persos de ce jeu. Attends, moi, je pourrais pas m'arrêter de respirer aussi longtemps. Puis combattre sans respirer en plus, hein. Je pense qu'il va falloir faire du heal. C'est fatal, hein, t'as attaqué le monk, il fallait pas. Faut jamais attaquer le monk.
Donc ça avance, hein. On avance doucement, mais on avance. Une sortie par en haut, une sortie par en bas. N'empêche qu'il est bizarrement fait, leur bateau, hein. Alors ça, ça gêne pas. Tu vois, ça, Gaïuf, il est quand même fragile, hein. Et voilà! Une queue de phénix, ça, ça sert toujours. On a toujours besoin de queue de phénix sur soi. On s'enfonce dans le dédale du bateau. Il est quand même vachement profond, leur bateau, hein. Efficace le monk. Y'a pas à chier, le monk s'est pété. Le monk s'est pété à l'infini. Et c'est l'instant tout le monde à poil! Boobs! Et pourquoi tu nous as caché ça? J'ai été trouvé par les pirates quand j'étais petite. Ils m'ont élevé. Et t'as prétendu être un mec? Parce que j'avais peur que les pirates se moquent de moi s'ils savaient que j'étais une fille. Je savais que tu étais trop belle pour être un mec. Ça... Non. 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 Et souviens-toi que pour moi, que le fait que je sois une femme ne me rend pas moins important que les autres. Je suis aussi balèze que les autres. Tu suis plus trop le chat. Oui, bah j'ai vu que t'avais lancé Crypt of the Necrodancer. Lâcheur! Allez, c'est l'heure de dormir. Je me souviens la première fois que je suis arrivé à ce moment-là du jeu, j'ai fait oh, putain ouais, c'était génial, j'ai adoré ce passage, c'est le passage qui m'a le plus marqué de ce jeu. Ah, j'ai bien dormi. On est dans un bateau qui s'est échoué. N'importe où, on sait pas. Les lits à mon avis doivent être moisis, le taux d'humidité pas possible, j'ai bien dormi. Eh bah putain. Non, moi je pourrais pas dormir là. Je pourrais pas. Non, au début j'avais parlé des réactions normales, tout ça, des persos, mais là... Là, on rentre plus dans le RPG, c'est les réactions, elles sont un peu moins normales. Et voilà, et c'est parti.
Oh, encore un combat. J'ai l'impression que c'est tout le temps le même combat que je fais depuis tout à l'heure. Hein. Enfin, en même temps, c'est le même combat que je fais depuis tout à l'heure. Donc mon impression est peut-être justifiée. Ça ne l'a pas tué. Ah bah j'ai pas besoin de faire kick là du coup. Oh! Eh, j'ai pas vu que j'avais ça. Je vais regarder les abilities. Ouais, c'est une bonne idée que je me réveille et que je regarde mes abilities. Ouais, lui c'est un white mage, donc on s'en fout. Et maintenant, je peux tailler des pipes. Désolé. Désolé. Fallait que je la fasse. Il y a des blagues comme ça qui sont obligatoires. Ici, ça veut dire qu'il doit falloir que j'aille par là. Tu as obtenu une carte du monde. Cette carte du monde est magique parce que quand tu changes de monde, elle s'adapte. Si, si, je vous jure. Ah, ça veut dire qu'il va y avoir du poison. Donc le boss. Ça veut dire que le boss, il va tenter de m'empoisonner. J'ai fait ce qui est dans un sale état, je sais pas ce que c'est, mais il perdait des points de vie à vue de nez. À vue d'œil. Enfin, à vue tout ce que tu veux en fait. Alors, j'ai toujours pas la moindre magie bleue. Ah, fallait pas attaquer, hein. Si tu veux, il y a un truc à pas faire sur un moine, c'est l'attaquer. Globalement, attaquer le moine, c'est une mauvaise idée. Alors, j'adore le concept, j'imagine pas la tronche de la bulle d'air, t'ouvre le coffre, pouf! Le bateau, il s'envole, le bateau, il sort de l'eau. La bulle d'air à la con, quoi, hein. Ah bah ça servait à rien là du coup. Pas grave. Ça a fait son office. Et c'est l'heure du boss.
Dans la mesure où c'est l'heure du boss, on va faire une safe state. Soir d'être sûr. Et en fait, ce truc, ça passe beaucoup plus vite. Enfin, ça passe très vite, quoi. Grand-père, je suis là. Mais t'es qui? Bah, c'est moi, ta petite fille. Bah, t'es qui? Papy? T'as Alzheimer? Désolé. Alors, voilà la raison principale pour laquelle il y a toujours un perso amnésique dans les RPG. En cas de sirène. Ou de quelconque truc qui te manipule par ta mémoire. Si tu es amnésique, tu es immunisé, donc tu peux sauver tes copains. C'est pour ça qu'il faut être orphelin et amnésique. Il y en a un qui est orphelin, il y en a un qui est amnésique. Voilà, en fait, il faut un orphelin, un amnésique, une princesse, et l'autre, le dernier perso, c'est gratuit, c'est comme tu veux. Il faut un orphelin, un amnésique, une princesse. Ça, c'est obligatoire. Les particularités peuvent être cumulées. Hein. Tu peux avoir un perso qui est orphelin, amnésique et princesse. Hein. Ça marche. Mais il faut au moins un orphelin, amnésique et une princesse. C'est obligatoire. Si, si, promis. Bon. Alors, c'est l'heure du combat. C'est un boss, on va tenter. Il n'y a rien à voler, d'accord. Bon, bah. Un combat avec un seul perso, donc. Ok. On va healer un peu tout le monde. Oh putain! Oh mais la mandale dans la tronche, quoi! Sérieux, l'infini mandale dans la tronche! Je vérifie. Ah bah vas-y, attaque hein. J'ai rien contre le poison, donc Et écoute, on commence par soigner le White Mage hein. Au revoir, président! Merde, j'ai quelqu'un empoisonné. C'est vu que j'ai pas encore Esuna. Ça sert quand même Esuna. On va cure. Il n'y a plus personne.
Ouais, bah y'a du truc. Y'a du monde. Allez, on passe au suivant. Oh, j'ai appris un nouveau truc. Roxelena. D'accord. Ça ne sert à rien ici. Non, mais faites vos trucs sur le perso qui peut les apprendre. Hein, les mobs. Je crois que les mobs se foutent de ma gueule. Oh putain les mandales! Oh non, j'ai déjà joué au jeu il y a très longtemps. Et je le connais un petit peu, j'avais retenté de le faire en Fort Job Fiesta cet été. Mais ouais, en gros, c'est ma première run depuis très 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 longtemps du jeu. Et le Fort Job Fiesta, je l'avais pas fini. Enfin, de toute façon, l'idée sur mes streams en fil rouge comme ça, c'est aussi de jouer à des jeux que je connais pas par cœur. C'est vraiment ça l'idée. Mais ça fait tellement mal à Monk. Sérieux, les Monks, c'est tellement c'est tellement violent, quoi. C'est tellement des Monks. C'est des Monks. On va commencer par passer à l'auberge. Voilà, je suis passé à l'auberge, donc je me suis régène, et maintenant on va aller acheter du stuff, de la magie, tout ça. Parce que tout le monde est un peu à Walp. Il est l'heure de stuffer tout le monde. Ah, longsword, j'en ai pas. Et j'en ai besoin d'un. Le staff, c'est bon. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça me sert un petit peu à rien de mettre... Alors, c'est bien, j'ai pu stuffer. Voilà, j'ai pu stuffer tout le monde! Y a-t-il de la magie à acheter? Oui, il y a Cure et Safe. Deux magies sont pratiques, mine de rien. Oh, attends, il y a un passage secret ici? Oh, des sous-sous. Oh bah j'ai pris mon passage secret et pas grand chose.
Quel concert! Je me suis amélioré au piano. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Est-ce que pour vous qui savez, ça sert à quelque chose de s'améliorer au piano? Donc alors pour ceux qui s'inquiétaient pour Nina, bah Nina vient de décoller pour rentrer à la maison. Donc ça sert. Je suppose qu'il faut que je trouve tous les pianos du jeu. D'accord. Et je suppose que ça sert à rien que je farme pendant 30 minutes le même piano. Je suis tellement convaincu que ça sert à rien que j'ai envie de le faire, quoi. Oh, j'ai eu un truc de glace. Ça peut servir au Blue Whiz, bah, je vais donner au Blue Whiz. Alors je crois qu'il y a un truc pour pouvoir utiliser les armes qui contiennent des sorts. Je sais pas trop comment ça marche. J'essaierai. J'en ai 3, ça va aller pour l'instant. Tu vois, princesse, je t'ai dit que c'était génial ton émission et que tout le monde avait adoré. J'espère que ça va bientôt être hebdomadaire, on attend la nouvelle grille avec impatience. Depuis que c'est officiel que tu as vendu ton âme à jeuxvideo.com. Bon, on va pouvoir avancer un peu maintenant que j'ai fait tout ça. Je vais pas racheter de potions, mais c'est pas très grave. Oh, un combat. Ah ouais, c'est pratique. Gaming Life à JVC. C'est vrai, c'est Gaming Life, c'est pas JVC. Sur Gaming Life, il y a des modérateurs. Trop lolo. Alors, on va combattre. Les kicks. Je veux juste faire ça, toi. Ah, d'accord! Ça, je savais pas. Ça, j'eût aimé qu'on me prévienne qu'utiliser la baguette la consomme. C'est, en fait, j'ai détruit mon bâton sur un combat random, c'est ça? J'ai l'impression que je me suis fait eu. En même temps, ça avait l'air puissant. Hein. Ça avait l'air un peu trop puissant pour être honnête. Et en effet, ça l'était.
D'accord, donc c'est des trucs à usage unique, ces machins. C'est... Maintenant, je le saurai. Alors, si tu pouvais éviter de me tuer Galus, s'il te plaît. Merci. Moi, je note que depuis tout à l'heure, il y a des persos qui font Needle et que ça tombe jamais sur Blue Mage. C'est une conspiration. Je mise sur la conspiration, le monde ne veut pas que j'ai un Blue Mage avec moi. Alors... Allez, c'est reparti. Il y a des chances que ce soit le dernier donjon pour aujourd'hui. Vu l'heure. Oh, quoi, ça met pas une heure un donjon en même temps. Ah, c'est bien ce qui me semblait, y'a rien pour l'instant. Il y a une limace qui a une mauvaise idée là. J'aurais peut-être pu le galuf au passage. Pas grave. Tout le monde a level up. C'est quand même solide ces trucs. Oh, le voleur qui s'en prend plein la gueule, hein. Ça y est. Bah fini. Ou encore un combat. En même temps, c'est un Final Fantasy, hein, c'est les jeux du combat aléatoire. Bah écoute, je sais pas qui c'est ce Trunks. Donc je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai aucun avis sur quelqu'un que je ne connais pas, j'essaye d'éviter globalement d'avoir ce genre d'avis. Bah, c'est vrai que globalement je suis pas la personne qui connaît les gens. Hein. Moi le who is who. Coucou Tisha, comment ça va? Alors... Non, j'aimerais bien que mon Blue Mage apprenne quelque chose un jour, en fait. Mine de rien. Petit truc qui me semble pas con. Ah oui, c'est vrai que tu t'es mis au ninjutsu. Bah écoute, ça va. Fin de journée, assez tranquille. Un peu fatigué, mais pas excessivement. Oh fuck. J'ai une mauvaise intuition là. Ah, ça fait du bien le critique.
On va aider les nains. Comment c'est pété les moines? C'est totalement pété. Ouf, c'est mort. Je vais quand même faire un petit peu d'huile sur tout le monde. Ça fait pas de mal. De mémoire, faut surtout pas que je marche sur les plantes, hein. Si j'ai bon souvenir, les plantes, ça t'empoisonne. C'est l'heure de la sauvegarde. Et il y a boss. Et qui dit boss dit safe state. Parce que bon, on va pas déconner. Enfin, en même temps, il y a le point de sauvegarde juste avant. Et vu que j'ai dit que s'il y avait un game over, je refaisais le vote pour la classe. Oh non, Pharis, elle est tombée! Mais elle remonte! Parce que Pharis, c'est une warrior! Pharis, elle déchire! Et c'est l'heure du boss! Alors... On va tenter de voler un truc. On va pas trop le faire. Oh fuck. Bon, ça c'est une bonne chose. Ah, ah ça c'est violent. Désolé du cri mais là c'était violent. J'ai quand même fait OS un perso là. Hein. Déjà s'occuper du gros qui fait mal, parce qu'il fait mal. Ouh, ça fait mal. Ouh, c'est pas facile avec cette équipe.